Et ça, c'est un départ qui est plutôt pas mal. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ensemble aujourd'hui sur le circuit de Catalogne pour le Grand Prix d'Espagne. Et on va tenter de se sortir vivant du premier S avec les Alpha de Leclerc et d'Ericsson qui sont plutôt hautes sur la grille. Ça, c'est le problème quand on ne fait pas de qualif. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, faisons un point démocratie avec l'aide d'ACFL que l'on salue. L'équipe des modeurs d'ACFL qui a réagi extrêmement vite puisque depuis quelques minutes, je dois être l'un des premiers, parce que c'est même pas dispo, je crois, encore en téléchargement à l'heure où je tourne cette vidéo, si ce n'est le premier en plus de l'équipe de modeurs à pouvoir vous tester. Ce que vous avez sous les yeux, c'est très simple, il s'agit de la Ferrari configuration Espagne 2018 avec donc les rétroviseurs montés sur le halo. Et oui, c'est une nouveauté que l'on pourra retrouver uniquement pendant ce Grand Prix puisque tout simplement la FIA a décidé de bannir ces éléments aérodynamiques qui donc ne font pas tout à fait référence à ce que la FIA avait autorisé en début de saison, à savoir de pouvoir monter les rétroviseurs sur le halo. Alors pour le Grand Prix de Monaco qui devrait suivre rapidement, Ferrari aura le droit, si j'ai bien lu les dernières informations, de conserver ses rétroviseurs montés sur le halo, mais les appendices aérodynamiques que vous voyez juste au-dessus de ce rétroviseur, eh bien, devront quant à eux disparaître. D'où l'intérêt de cette vidéo et le débat qui survient logiquement alors qu'on se fait rattraper et doubler par Daniel Ricciardo. On va essayer de le reprendre au freinage. Hop, il a freiné un peu tard, il n'a pas la meilleure trajectoire, nous non plus là pour le coup. D'où la question et l'existence de cette vidéo. Vous avez un petit lien Stropo dans la description et dans les commentaires. Est-ce que le halo avec les rétroviseurs est dangereux? Je m'explique. Quelle est la nature même pour laquelle on nous a rabâché les oreilles depuis un an et demi pour installer le halo? La raison est très simple, éviter qu'un élément aérodynamique, une roue ou autre chose de beaucoup plus lourd ou beaucoup plus perturbant, vienne heurter le casque du pilote. Jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que si quelque chose vient percuter les rétroviseurs, est-ce que le rétroviseur ne va pas aller percuter le casque du pilote? Alors évidemment, vous me direz, oui, mais bon, Maxou, ils sont là quoi qu'il arrive, les rétroviseurs, et c'est pas parce qu'ils sont montés sur le halo qu'ils sont forcément plus dangereux que montés sur les pontons. Et c'est là où je suis pas d'accord. J'ai eu un débat tout à l'heure assez animé sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas demander finalement à la communauté. Et en plus, j'ai vu qu'ACFL me proposait de tester cette voiture. Alors sachez également que dans la liste des nouveautés instaurées en Espagne, le nouveau-né de la McLaren sera également proposé dans les prochaines heures, ou dans les prochains jours. Donc si vous avez déjà acheté le mode, il vous suffira de le mettre à jour avec le patch. Oh, les deux Red Bull qui nous font un remake de Bakou là. Oh, pff. J'ai manqué de percuter Charles Leclerc. On va essayer de faire l'intérieur au monégasque. Oh, il y a pas mal de grip. Hein. Franchement, c'est vraiment excellent. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur ce mode, je vous mets un petit insert. Oh là, j'ai une coupure dans le son là. Je vous mets un petit insert en haut à droite de cette vidéo maintenant avec une petite fiche pour aller voir la vidéo découverte de ce mode qui était également une exclusivité. Donc franchement, je trouve ça vraiment... Alors, je suis mitigé parce que purement esthétiquement, je trouve ça très joli. Alors attention, je n'ai pas fait 50 ans d'études auprès de Christina Cordula, mais c'est vrai que là, quand je vois le halo comme ça, il me paraît beaucoup plus discret. Alors tout est relatif, évidemment, mais il me paraît beaucoup plus vivable et acceptable, un peu comme les appendices qui, il y a 10 ans tout juste, étaient installés sur les Formule 1. On avait des éléments aéro qui eh bien, débordaient de partout hein, sur les voitures, avant le changement drastique de réglementation en 2009. Et moi, j'étais plutôt fan de ces voitures qui étaient un petit peu excentriques, alors que là, on va encore se faire attaquer. On est un peu décroché par rapport aux voitures de tête. On va voir si on peut attaquer et remonter sur les Red Bull. Parce que là, pour l'instant, on est plus en train de bouchonner qu'autre chose. Alors, on a quelques assistances, notamment à la stabilité. Mais ça ne fait pas tout, la voiture est pas simple à piloter. Alors je ne vous ferai pas de vidéo évidemment sur la McLaren mise à jour parce que premièrement c'est uniquement esthétique, ça n'a pas autant d'intérêt que ce halo.
qui sera donc, comme je disais, banni par la FIA. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour les raisons que j'ai évoquées. En tout cas, c'est pas beaucoup à apprécier, hein, ces nouveaux éléments aérodynamiques. Hop là, je sais pas ce que vous en pensez, donc je vous mets un lien Stropole dans la description et en commentaire, et à vous de me dire si vous aimez bien, si ça vous fait supporter le halo, si, comme j'ai pu lire aussi il n'y a pas longtemps, vous vous en fichez complètement, hein, puisque ce sera dans les propositions. Et est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle fois une manière qu'a la FIA de brider les ingénieurs et les concepteurs? On se fait toujours rattraper en ligne droite, mais grâce à notre ami Le Kers, on arrive à se défendre. Et là, on avait une as. Magnussen, attention, ne me rentre pas dedans. Merci beaucoup. C'est pas toujours gagné avec Magnussen, vous commencez à le savoir maintenant. Alors, je vais vous passer, grâce à la magie du montage, différentes vues qui vous donneront un avis un petit peu plus clair sur ce que vaut ce halo en vue première personne pour le pilote, en vue caméra TV, en vue extérieure. Je sais pas. Honnêtement, moi, j'aime bien. Parce que je pense qu'il va me rester deux tours et j'ai plus du tout de Kers. Il va falloir recharger un petit peu. Dommage, parce que je reviens sur les deux Red Bull, là. CDRS, je sais que ça sert à rien d'aller tirer un maximum sur la boîte. Ou alors que les Red Bull sont très chaudes. Peut-être l'avoir finalement mon top 5. Alors que vous voyez les traces, hop là, de mes anciennes tentatives de vidéos qui se sont mal terminées. Il n'y a pas beaucoup d'appui sur la voiture. Et je le paie un peu cher. Ricardo est juste devant. Il y a Verstappen. Et ensuite ça doit être Ericsson. Je pense qu'on a déjà doublé Leclerc. On a l'avantage. Ricardo qui nous fait une Verstappen. Il nous fait une Verstappen. Ah là là, bah c'est dommage. C'est dommage. Bon, Ricardo qui était un petit peu trop chaud. Bon, en tout cas, Ricardo n'a pas été très sympa sur ce coup-là. Je crois qu'on va arrêter ici, vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu. N'hésitez pas donc à répondre au Stropole ou en commentaire. Donnez votre avis sur ce halo dessiné et proposé par Ferrari sur son interdiction. Je suis curieux de voir un peu les avis de tout le monde parce que je sens que c'est un petit peu comme... la France est souvent coupée en deux. Dans ce cas-là, c'est un peu comme pain au chocolat, chocolatine. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Il y en a beaucoup moins en ce moment pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit, que je tourne la saison 2 F1 2017 et que je ne sais pas rajouter des heures dans les journées. Merci à toutes et à tous, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite, et à la prochaine, ciao.